Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais de la République le président de la région somalienne de Jubaland, Ahmed Mohamed Islam, à la tête d'une importante délégation de son administration. L'audience entre le président de la République et le président de la région somalienne donc a servi de cadre pour faire un tour d'horizon sur les relations d'échange et de coopération qui existent entre la République de Djibouti avec le pays frère de la Somalie, en particulier avec les régions somaliennes, notamment la région de Jubaland. Les mesures ont entériné des partenariats et des échanges en matière d'économie portuaire, logistique et commerciale, constituent entre autres les sujets et thématiques abordés au cours de cette audience du chef de l'État accordée au président de la région somalienne. Accès à la mer, la région de Jubaland partage plusieurs points en commun avec la République de Djibouti, qui est effectivement vocation à servir de repère et d'inspiration. Jubaland, région également côtière, dont la détermination légitime de cette localité a évolué dans, aussi en un hub logistique et portuaire. Lors de cette audience avec, lors de son audience avec le président de la République, le président de la région somalienne de Jubaland s'est accompagné par plusieurs hauts responsables de la région de Jubaland, dont le ministre de l'économie, Abdi Wahab Ahmed Ousmane, le ministre du Finance, Hussein Hirsi Ahmed, le ministre de la Sécurité ainsi que le procureur de Jubaland, Ahmed Hadji Adam, et le directeur du port de la région. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabl Abdillé, le ministre du Commerce et du Tourisme, en prépare aux côtés du chef de l'État.